Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour parler de la bannière de la semaine, donc avec les nouvelles unités de Final Fantasy III, avec donc Réfia Chevalier Oignon, Lunès Chevalier Noir, Doga et Fini. Et donc on va commencer gentiment avec la nouvelle Réfia. Donc, stat 7 étoiles. Donc, 5582 points de vie. C'est en 90e position ex aequo sur 124 unités. PM 265 est en 66e position ex aequo. Attaque 297 est en 34e position. Défense 240 est en 32e position ex aequo. Magie 225, c'est en 45e position ex aequo. Et la Psy 246e en 44e position ex aequo. Ensuite, niveau des stats, donc 6 étoiles. 3778 PV, donc sous la moyenne. PM 502 au-dessus de la moyenne. Attaque 182 pratiquement la moyenne. Défense 158, magie 662, c'est au-dessus de la moyenne. Des 6 étoiles physiques. Donc sa récompense de confiance, donc fille de forgeron, augmente l'attaque de 30% quand équipée d'une épée et augmente l'efficacité des cristaux de 50% également. Ensuite, sa super récompense de confiance, donc la lame oignon, donc une épée attaque plus 160, 30% de chance d'infliger, donc poison, aveuglement, silence, confusion. Et permet d'augmenter l'attaque, la défense, la magie, la psy de 30%. Donc ça clairement c'est, ça va être une épée à upgrade dès que vous l'obtiendrez, hein, pour avoir encore davantage de boost de stats pour votre personnage qui en sera équipé, tout simplement. Au niveau des résistances rien de particulier nativement. Au niveau des équipements, donc on a dague, épée, grande épée, katana, bâton, sceptre, arc, lance, instrument, fouet, projectile, masse. Ça fait pas mal. Protection, donc on a tout, bouclier léger, bouclier lourd, non presque tout. Chapeau, casque, vêtements, armure légère, armure lourde et accessoires. À sa rareté la plus importante, elle est une affinité avec toutes les magies, sans distinction. Donc c'est plutôt costaud. Hein. Ensuite, les équipements spécifiques du Chevalier Oignon que ça avait pu obtenir sur un précédent event, et ben elle pourra s'en équiper également. Ben, elle pourra s'en équiper, c'est plutôt les effets qu'il y a dessus, lui seront utiles également. Donc c'est-à-dire que là, on a une résistance de 50% sur 4 altérations d'état. Ici, on a un boost de 15% de PV. Et ici, on a une petite compétence. Pour ça, de plus. Ensuite, au niveau de ses compétences, donc on a un Full Speed Blitz. Qui est donc un dégât physique 220% sur tous les ennemis et qui rentre dans le cadre de la chaîne de l'Odin Slice. Donc, chain avec. Bien entendu, le Chevalier Oignon lui-même, hein, qui est forcément normal. Hein. Ensuite, Courage d'héroïne augmente l'attaque et la défense de 100% pendant 3 tours pour tous les alliés et augmente de 150% l'efficacité des cristaux ramassés. Ensuite, Honor Shredder, donc 450% de dégâts physiques sur un ennemi qui donne accès pendant 2 tours à Act to Pieces. On verra ça à la fin de ceci. Ensuite, on a Blessed Wind, Fire, Water ou Earth Crystal. Donc un debuff 60% sur le vent, le feu, l'eau ou la terre de 60% pendant 5 tours sur l'ennemi. Ça lui ajoute l'élément associé pendant 5 tours à ses attaques physiques. Et ça lui donne accès également pendant 2 tours à Act to Pieces. Ensuite, on a la lumière de l'affection, donc retire toutes les altérations d'état sur tous les alliés, augmente de 110% la défense et la psy
pendant 3 tours pour tout le monde et leur donne également 60 PM. Ouais, donc c'est sympathique. Ensuite, le météorone d'oignon, donc dégâts physiques 600% qui ignore 50% de la défense de tous les ennemis, donc c'est 1200%. Et du coup, son Act to Pieces, qui donc un dégât physique 550% sur un ennemi et qui rentre dans la chaîne de l'Onion Slice également. D'accord, donc au final, elle a que deux compétences qui rentrent dans une chaîne de... Une chaîne, voilà, tout simplement. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, ça peut toujours être sympathique. Ensuite, dans ses passifs, donc, on a donc double arme. Bon, ça rien d'exceptionnel, faudrait s'équiper de deux armes. Ensuite, Onion Series, donc, naturel, donc déjà, oui, de base, déjà, un boost 20% attaque défense de JMC. Ensuite, donc, le pendentif de Casus, donc, immunité, silence, paralysie, confusion et pétrification. C'est cool. Sword Mastery, augmente de 50% son attaque hein, équipée d'une épée. Donc, il va falloir privilégier une épée en équipement, déjà de base. Après, l'autre arme, c'est même ce que ça veut. Hein. Frog Hater, donc augmente la résistance eau de 30% et les dégâts physiques et magiques contre les monstres aquatiques de 50%. Purifying Sword Heart, 30% de résistance ténèbres et augmente de 50% les dégâts contre les morts vivants. Strong Wind Runaway, 30% de PM et récup 5% de PM par tour. Blessed Crystal, donc 100% d'efficacité dès qu'ils sont ramassés, donc deux fois moins de temps pour remplir sa jauge de limite. Et augmente les dégâts donc, de sa limite de 17%. D'accord, pourquoi 17% exactement? C'est comme ça. Pourquoi pas? Ensuite, Cerulean Fencer, donc équipé de sa propre récompense de confiance, donc c'est puits de forgeron, oui c'est ça. Donc il fait avec une épée équipée, du coup avec ses autres passifs, ça lui fait plus 100% d'attaque qu'un équipé d'une épée. Donc sachant que sa stat de base en attaque c'est pas loin de 200 je crois, c'est ça. Ouais, c'est 198, donc 198 points de plus. C'est gratos. Hein. Bref, donc elle était équipée donc, de sa récompense de confiance dans son accessoire. Donc elle augmente son attaque de 30%, sa résistance eau et ténèbres de 20% également. Lui confère 4 cristaux de nuit par tour et augmente l'efficacité de sa limite. Ensuite, Hyde, donc force cachée, donc augmente son attaque de 30%, sa défense et sa psy de 20%, PV 20%, et donc du coup la lame d'esprit et de beauté, donc qui augmente à hauteur de 60% de l'équipement d'attaque quand elle est équipée de deux armes. Donc sa super récompense de confiance qui a 160 points, bah, ça ajoute 60% de ce chiffre là. Ce qui fait 3 cinquièmes, donc 42. Ouais, ça fait pas mal de 100 points quand même. Pas négligeable. Hein. Donc, augmente l'efficacité de certaines de ses compétences et augmente encore les dégâts contre les morts vivants. Pourquoi pas. Et dans les magies, donc elle a les Una, donc le soin sur un allié de pas mal d'altérations d'état, mais pas tous. Je sais plus son nom en français, mais du coup, soit dire pétrification sur un allié. On a le soin max, on a dissipation et on a vie max. Et après, ça limite donc qui de base de dégâts physiques sur un ennemi qui est de debuff sur le feu, l'eau, le vent et la terre, 3 tours. En étant équipé donc, de sa récompense de confiance, donc fille du forgeron, ça confère
donc un boost de force sur certaines compétences et les debuffs de résistance élémentaire durent 5 tours au lieu de 3. Bon, c'est déjà ça, mais... Et après, bon, sans plus, hein. Sans plus. Ensuite, passons à Lunes Chevalier Noir. Donc, c'est stat 5 étoiles. 7 étoiles. 5545 points de vie. Qui est donc en 94e position. PM 292, c'est 56e position avec écho. Attaque 304, c'est en 26e position. La défense 211, c'est en 59e position avec écho. La magie 160, c'est en 82e position avec écho. Et la psy 216, c'est en 21e position. Les stats 6 étoiles, donc 4264 points de vie, c'est presque à la moyenne. PM 192, attaque 202, défense 162, c'est bien au-dessus de la moyenne. Magie 123, c'est un pour l'au-dessus de la moyenne. Psy 183, c'est très supérieur à la moyenne. Ensuite, au niveau donc, de ses récompenses. Donc, on a une materia savoir du chevalier noir, augmente attaque de 30%, augmente d'auteur donc, de 50% de l'attaque quand c'est équipé d'une seule arme dans les deux mains. Voilà. Voilà, et 25% de bonus de précision également, et augmente de 50% les dégâts contre les démons. Why not? Sa super grande confiance, donc Murakumo, donc un katana attaque 168, dégâts de ténèbres, et qui donne accès à une compétence qui est un 500% de dégâts physiques et qui sacrifie 30% des points de vie et qui touche tous les adversaires. Donc c'est pratique. Ensuite, au niveau des résistances, rien de particulier nativement. Pour les équipements, donc. Dague, épée, grande épée, katana. Pour les protections, on a bouclier, casque, armure légère, armure lourde et accessoires. Petite affinité avec les magies blanches. Pourquoi pas. Ensuite, au niveau de ses compétences offensives, donc on a Darkness, donc dégâts physiques 150% de ténèbres avec 30% de sacrifice de points de vie sur tous les ennemis. Le Hit All, donc dégâts physiques 180% sur tous les ennemis. Ensuite, donc, on a donc épée sombre. Épée obscure, peut-être, ouais, épée obscure. Épée obscure, Kiyomei Yutu. Donc, une attaque physique qui draine les PV et les PM de l'adversaire. C'est toujours fort sympathique. Épée obscure Kikui Shimonji, un dégât physique sur un ennemi avec 120% de sacrifice de PV et qui confère entre 2 et 3 cristaux sur tous les alliés. En plus. Ensuite, on a double épée obscure Masamu, donc un dégât physique 300% sur un ennemi avec 30% de sacrifice de PV et qui redonne 2000 PV et 20 PM pour tout le monde. Ouais, ok, pourquoi pas. Bon, après, une grosse consommation de PM aussi derrière, donc c'est pas non plus... pas forcément être fiable, je pense, mais bon. Ensuite, donc, on a double épée obscure, donc permet d'utiliser deux fois en un tour ses compétences d'épée obscure. Bon, c'est classique. Épée obscure Ansei, donc un dégât physique 350% sur un ennemi avec 20% de sacrifice de PV et qui débuffe 30% sur la résistance ténèbres. Ensuite, on a épée obscure, donc Kotetsu et Ashura, qui tous les deux font un dégât physique 350% avec 20% de sacrifice de PV et qui débuffe soit les stats défensives, soit les stats offensives pendant 2 tours sur un ennemi. On a épée obscure Mano Meijeki, un dégât physique 750% avec 33% de sacrifice des points de vie qui cible un seul adversaire.
Du coup, après, on a Renaissance Obscure, donc redonne 100%, donc redonne tous les points de vie au lanceur, augmente ses dégâts contre les démons de 50% pendant 3 tours, augmente la résistance ténèbres de 100% et les stats offensives de 120% pendant 3 tours pour tout le monde. Donc, oui, ça peut être sympathique, hein, clairement. Bon, surtout après, il leur fait perdre beaucoup de points de vie. Hein. Et après, il faut qu'ils soient encore en vie à ce moment-là, ce qui peut être contraignant. Et donc, le cicatrice de la mise donc, augmente de 75% les dégâts physiques contre les monstres aquatiques et les démons pendant 2 tours et fait un dégât physique à 1700% sur un ennemi. Donc, ça, c'est quand même un gros. C'est de base, ça fait, c'est un gros multiplicateur. Après, à l'utilisation, je ne sais pas. Ensuite, au niveau donc de ses passifs, donc 2 armes, lui aussi. Bon, bizarre, mais bon, c'est comme ça. Véritable double main, d'accord. Augmente à hauteur de 50% d'attaque d'équipement quand il s'équipe d'une seule arme dans les deux mains. D'accord, on peut l'équiper des deux côtés. Bon. Ensuite, persévérance, donc augmente de 20% les PV et les PM à la défense. Augmente son attaque et sa défense de 200% pendant 3 tours quand ses PV tombent sur 30%. Okay. Pendant qu'il fait dur, donc immunité, aveuglement, paralysie, confusion, pétrification. Dark Knight. Donc, augmente à hauteur de 50% de son attaque équipée d'une seule arme à deux mains, ainsi que 25% de précision. Augmente sa résistance lumière et ténèbres de 30% et augmente les dégâts contre les monstres aquatiques et démoniaques de 50%. Maître du katana augmente son attaque de 50% qu'équipé d'un katana, donc clairement équipé de son un katana. Succession mystique, donc augmentation de 30% de l'attaque de la psy et 5% de récup de PM à chaque tour. Ensuite, équipé de sa propre récompense de confiance, donc Piece of Destruction, augmente son attaque de 30%, augmente les dégâts physiques et magiques contre les adversaires aquatiques et démoniaques de 100%. Confère Piece of Destruction chaque tour et lui donne accès à Triple Dark Blade. Donc, Piece of Destruction, c'est récup 3000 PV par tour. Donc voilà, naturellement. Et donc, du coup, le Triple Dark Blade, donc, il peut utiliser 3 fois en un tour ses compétences d'épée obscure. Et ça de manière naturelle et illimitée. Hein. En plus, c'est pas genre pendant quelques temps, non, c'est tout le temps. Donc c'est assez sympathique quand même dans l'idée après. Dark Blade Wader, donc 20% d'attaque et de PM et 20% de résistance lumière et ténèbres. Ensuite Psy plus 20%. Et du coup Maître Chevalier Noir. Donc augmente à hauteur de 50% de l'attaque de l'équipement quand c'est équipé d'une seule arme dans les deux mains. Augmente à hauteur de 50% de l'équipement quand il est équipé d'une arme dans chacune des deux mains. Donc ça c'est bizarre, c'est, il a les deux branches, bien que finalement la branche qui vaut avec le plus de coups finalement c'est celle du coup de la double main et pas des deux armes. Du coup avec deux mains, c'est que deux mains ça récupère quoi un boost, voilà la moitié des stats d'attaque des deux armes équipées. Alors qu'équiper une arme dans les deux mains, ça récupère 150% de stats de l'arme, et même 50% de plus lié à sa matériel d'équiper aussi, donc plus de 100%. Du coup, a priori, c'est quand même mieux de le mettre en deux mains. Bon, pourquoi pas. Augmente donc les dégâts de certaines compétences, ok. En magie, donc il y a trois petites magies, donc
soin de poison, soin de l'aveuglement et le soin plus. Et sa limite, donc augmente les dégâts physiques contre les monstres aquatiques et démoniaques pendant un tour pour lanceur et fait un dégât physique. Ignore 50% de la défense de l'adversaire. D'accord. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ensuite, passons à Doga. Donc, 3254 PV sous la moyenne, PM 236 au-dessus de la moyenne, attaque 107, défense 114 sous la moyenne, magie 240 bien au-dessus de la moyenne, psy 143 sous la moyenne. Donc ça, récompense de confiance, donc son propre sceptre. Donc, un attaque plus 8, magie plus 103 et qui donne une résistance feu à 20%. Au niveau des résistances, rien de particulier. Pour les équipements d'attaque, bâton, sceptre, instrument, masse, protection, chapeau, vêtements, robes, accessoires. Affinité avec presque toutes les magies. Et ouais, il manque le niveau 8 des magies blanches. Mais voilà. Le gros potentiel. Ensuite, dans ses compétences d'action, donc on a donc le double sort, donc permet d'équipe d'utiliser deux magies en un tour, de toutes les sortes. Ensuite, Magic Focus, donc un boost 80% sur la défense de la magie et la psy pendant deux tours pour le lanceur. Et si c'est utilisé, si c'est utilisé une première fois, ça se change en Boosted. Ah, c'est règles de prononciation, je sais plus. Boost Focus Magic, qui est un boost 120% de toutes les stats pendant deux tours. Enfin, de tout, des mêmes sets plutôt. Ok. Ensuite, on a l'artefact de Doga. Oui, donc c'est la concentration magique d'ailleurs. Pardon, concentration magique, du coup, voilà, 80% de boost pendant deux tours. Et le tour d'après, c'est concentration magique plus. Donc, artefact de Doga, donc. Boost 80% de magie pendant 3 tours pour tous les alliés et redonne 20 PM à tout le monde. Et donc la Spirit Session, donc ressuscite tous les alliés morts sauf le lanceur. Mais en même temps, il ne peut pas s'auto-ressusciter, ça paraît cohérent dans l'idée. Je sais plus, il ressuscite tout le monde. C'est plutôt il ressuscite tout le monde en se mettant au plus. En sacrifiant sa force en fait. C'est-à-dire qu'il reste voilà, quelques points de vie. Et il du coup il est. Donc du coup il affaiblit face à la mort par 100%. Autant dire voilà, un coup et puis il est plus là, hein, clairement. Ensuite, dans ses passifs, donc Null Silence, donc immunité à silence, tant mieux, résistance plus 30%, magie plus 20%, et donc Noah's Magic Legacy, boost 20% de PM et 40% de magie. Dans ses magies, donc il y a Feu X, donc dégâts de feu, non, Feu Max, pardon, 50% dégâts de feu sur tout le monde. Drain, donc une récup de PV. Break, donc 30% de chance d'infliger pétrification sur un ennemi. Flare, donc dégâts magiques de feu sur un ennemi avec un debuff résistance eau. Anti-feu, ou quelque chose comme ça. Résistance feu 70% supplémentaire pour tous les alliés pendant 3 tours. Feu max. Donc 200% de dégâts magiques de feu sur tous les ennemis et qui augmente en dégâts avec des situations successives. Brega, 20% de pétrification, 20% pour d'infliger pétrification sur tous les ennemis. Et Quake, bah, du coup, voilà le séisme, donc dégâts de terre 250% sur tous les ennemis, débuff 50% de résistance terre pendant 3 tours, et qui rentre dans la chaîne du séisme lui-même, hein, bien sûr. Et ça limite hein, donc un dégât magique de feu sur tous les ennemis avec une augmentation de la résistance feu pour les alliés.
Et pour finir, une EI. Donc 2106 PV sous la moyenne, PM 165 au-dessus de la moyenne, attaque 75, défense 87, c'est légèrement tout en moyenne, magie 121, 630, c'est au-dessus de la moyenne. Ça récompense 2 confiances, donc son propre bâton, attaque plus 6 points, magie plus 75, psy plus 92. Au niveau des résistances, rien de particulier. Pour les équipements, donc on a dague, bâton, sceptre, instrument, masse. Protection, on a chapeau, vêtements, robe, accessoires. Infinité avec toutes les magies. Du coup, c'est dommage, j'ai besoin qu'une 5 étoiles max. Au niveau donc ses compétences d'action, donc on a le double sort également. On a donc la tempête de neige. Donc inflige de dégâts magiques de glace à 275% sur tous les ennemis avec ignore 25% d'apsi. Donc ça fait 30. Donc en gros un tiers de plus de dégâts sur la base. Donc ça fait un 366%, quelque chose comme ça je crois. Et qui rentre dans la chaîne de la tornade. Ensuite, donc, on a le miroir du nid, 20% de chance d'infliger sommeil à tous les adversaires. Les passifs, on a un psy plus 1% et Dream World Guardian, PM 10% et magie. Au niveau de ces magies basiquement, donc, on a le glace X, donc dégâts magiques de glace 50% sur tous les adversaires. On a protection 20% de défense pendant 3 tours pour un allié. On a le sidéral, je crois. Non, c'est pas, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Ouais, je crois. Enfin. Ouais, je crois que c'est ça. Ah non, oui, je crois que c'est ça. On dit sidéral, je sais plus. Enfin, bref. Donc, dégâts magiques de lumière de 230% qui se base sur la tête de psy pour faire les dégâts. Bon, ça tombe bien, elle a un peu plus de psy que de magie de base. Et donc, la tornade, donc dégâts de vent de 250% sur tous les ennemis, debuff 50% de résistance vent et qui rentre dans la chaîne de la tornade. Et ça limite un dégât magique de glace sur tous les ennemis avec une augmentation de la résistance de glace pour l'équipe pendant 3 tours. Ouais, des unités sympathiques, c'est plus les récompenses de confiance finalement qui sont intéressantes, les personnes en eux-mêmes, bon. Bon, on va dire si ça n'a rien d'autre sous la main de base niveau 7 étoiles, bon c'est toujours sympathique, mais bon c'est pas ce qui va non plus révolutionner voilà une team. À mon humble avis après. Chacun fait comme il le souhaite bien entendu. Parce que ce sont des unités qui sont nécessaires. Relation utile pour le farm actuel de leur event prévu, pour avoir davantage de loot pour plus d'échanges. Donc forcément pour l'event en lui-même c'est nécessaire, après à plus tard ça sera que ponctuel clairement. Donc c'est là-dessus que je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle bannière. D'ici là portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.